Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureux d'être avec vous dans le cadre de cette émission Profondeur, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, que vous ne vous fatiguez même pas plus de suivre. Vous êtes très gentils. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la corruption, mais d'abord, je vous présente mes invités. Vous avez lu leur nom, vous ne connaissez sans doute pas leur visage, en tout cas pas celui du premier que je vais vous présenter. Il s'agit de Monsieur Didier Moncoré. Monsieur Didier Moncoré, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, merci. Les deuxièmes personnes, ou la deuxième personne, c'est peut-être Jean-Patrick Moussenga. Il est sociologue et l'autre, vous le reconnaissez, c'est Monsieur Modeste Bonigaba. À tous les deux, je dis bonsoir et bonjour en commençant par Bonigaba. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kiba. Monsieur Bonsoir et bonjour, Jean-Patrick, bonsoir. Monsieur. Merci. Alors, on va parler de la corruption. La corruption, d'après le dictionnaire, faisons comme si nous faisions un travail pratique. La corruption est une perversion ou détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Notre petite définition, solliciter ou accepter un don ou un avantage en vue d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Il y a la corruption active, vous l'avez constaté, et la corruption passive. Monsieur Moussenga, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes sociologue? Parfaitement d'accord avec cette définition. Mais vous savez, les termes français évoluent. Ça, c'est peut-être la définition qu'on a obtenue de l'évolution du terme. Mais au départ, C'était la pourriture la ou pourriture. le début du pourrissement. Oui. Donc, nous pensons que nous devrons partir du début pour montrer que la corruption, c'était d'abord la pourriture. Et ça continue quand même à l'être. Bien sûr, on a ajouté d'autres dimensions qui montrent que l'on peut ne pas obtenir un pourrissement, mais arriver à une forme de désintégration des éléments de la société qui plus tard vont devoir constater l'anéantissement, la disparition de la société. On est d'accord que quand on te dit, bon, c'est corrompu, une chose est corrompue, c'est vrai, c'est un début de pourrissement ou carrément de pourrissement. Non, c'est corrompu. Bon. Mais là, nous sommes en train de parler, et c'est pas beau, quelque chose, une pourriture, c'est pas beau. Alors, nous allons parler de la corruption que nous vivons tous les jours. C'est-à-dire celle du fonctionnaire qui demande un peu d'argent ou celle du grand fonctionnaire qui. Voilà, c'est de cette corruption que nous allons parler. Et Monsieur Bonigaba, un commentaire. Oui, je crois qu'il était temps qu'on aborde ce thème, parce que pour un État comme le nôtre, la corruption a atteint des proportions qui deviennent tout simplement endémique. Vous avez utilisé quel mot? Endémique. Oui. Donc, des proportions stratosphériques, si on peut dire. Parce que on corrompt, évidemment, là, on peut parler aussi de la concussion. C'est que vous avez besoin d'un service, vous avez besoin d'être payé pour des prestations que vous avez fournies à l'État. Et la facture se monte, par exemple, à 100 000 dollars. Et la personne qui a la signature
pour permettre le déclenchement du processus de paiement, ne va peut-être pas vous le dire en face, mais il va vous faire sentir que vous devez bouger si vous voulez que votre dossier puisse évoluer. J'aime bien le terme, mais le terme bouger, c'est beau. Oui. Ah, non, donc il faut bouger. Je vais bouger. Et donc, vous devez lui faire comprendre clairement, voilà, que les 100 000 là, bon, il aura 40 000 par exemple. Eh bien, vous, c'est le travail de toute une vie. Mm-hmm. Donc, on va vous payer ça parce que vous pouvez à ce moment-là aller peut-être investir dans les champs, dans des choses comme ça. Hein, dans le matériel. Dans le matériel et permettre de continuer à mener une vie assez décente. Mais il vous demande d'amputer ça de moitié. Juste parce que c'est lui qui doit apposer sa signature. Ce qui est son travail, par ailleurs. Oui, alors vous imaginez ce que ça représente comme tort causé à cette personne qui, sur papier, a droit à 100 000 dollars, mais en réalité, il va se retrouver seulement avec la moitié de ce montant. Ici, cela est devenu institutionnel. Vous ne pouvez pas. On m'a dit l'autre jour que les gens qui devaient partir à la retraite avaient attendu tellement longtemps qu'ils étaient prêts à pratiquement tout lâcher. Ils ont accepté. À brader. Oui, ils ont accepté de laisser partir même 60% du monde. Non, pas 60%. Mais je vous dis, alors moi je dis, quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que le pays est vraiment en train de mourir. Mm-hmm. Il est en agonie. Oui. Parce que ça se traduit comment? Ça se traduit que par des situations où tout à l'heure, en venant ici, avant de venir à l'émission, j'ai suivi à la télévision quelqu'un, un agent de la SNEL, en train d'expliquer que toute une partie de la commune de la Gombe va être pendant longtemps privée d'électricité parce qu'il y a un câble important sur lequel on est venu construire sur une bonne distance. Donc si on devait casser le mur ou l'endroit où il faut aller réparer, mais ça, c'est des dégâts incroyables. Donc, cet agent-là a peut-être juste empoché 100 dollars pour donner l'autorisation de bâtir à cette personne qui est allée construire comme ça. Donc, c'est les dégâts qui sont dus à la corruption sont énormes. Une société. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus grave, nous, l'extérieur nous voit comme parmi les champions de la corruption. Mmh. Donc quand nous crions, voilà, nous sommes agressés, nous sommes victimes, mais ils disent, mais attendez, vous êtes incapables d'avoir d'organiser votre pays. Organisez-vous d'abord, montrez au monde que vous êtes sérieux, vous êtes conséquent dans ce que vous faites, les gens sont payés correctement, parce que vous avez les moyens de payer correctement les gens. Après, vous pourrez aller voir les partenaires, dire, voilà, écoutez, nous sommes arrivé jusqu'ici, mais il faut maintenant qu'on nous aide pour aller plus loin. Là, ils vont venir. Mm-hmm. Mais si vous êtes tellement laxiste, tellement permissif, ils vont toujours se moquer de vous. Oui, dans le premier cas où on a rendu des services, il y a peut-être cet esprit de surfacturation qui, à un certain moment, a eu cours. Mais dans le cas de celui qui a presté des services, qui a travaillé toute sa vie, à la fin de sa vie, on lui doit de l'argent, vous amputez cette somme de 60%, vous êtes un criminel, il n'y a pas d'autre mot. Absolument, absolument. Alors, je voudrais passer la parole à quelqu'un qui n'a pas parlé, M. Didier Moncoré. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Après, il a obtenu une bourse pour aller étudier en Europe. Et il a plus vécu aux Pays-Bas. Mais tous ces pays du Nord, on a l'impression qu'ils sont des pays
très disciplinés en matière de corruption et d'organisation d'une manière générale. On voit une Premier ministre qui vient à vélo au travail et qui va dupliquer ses papiers lui, elle-même. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter de tomber dans la corruption? Laquelle corruption? Un peu dans le sud de l'Europe, ben, monnaie courante. Bon, merci d'abord pour la parole. Ce que je pourrais dire, c'est que la corruption, c'est d'abord un problème culturel. Mm-hmm. Hein, c'est un problème culturel. Il faudrait se poser la question, pourquoi, quand est-ce que quelqu'un devient facilement corruptible? Mm-hmm. Et pourquoi faire de cet argent qu'il aura à recevoir? Mm-hmm. Et en ce moment-là, on pourrait effacer ce besoin-là pour que la personne ne soit plus corruptible. Très bien. C'est ce qui ne se passe pas dans nos pays notamment. Alors, les Occidentaux ont dû réfléchir. Ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à leur culture, mm-hmm. Les Occidentaux du Nord, surtout, comme ils sont plus blancs, ils rougissent facilement. Mm-hmm. Alors, comme ils n'aiment pas rougir, ils ont fait le nécessaire pour que tout soit dans l'ordre. Mm-hmm. Ils se sont basés sur la promotion de l'éducation, mm-hmm. dire aux enfants dès le bas âge qu'il ne faut pas mentir, par exemple, mm-hmm. qu'il faut respecter les ordres du pays, mm-hmm. tout ça. Et aussi, à ne pas oublier, c'est que ces pays-là vivent en perpétuelle interdépendance. Mm-hmm. Donc, tout ce qui se fait de bien dans un pays est coupé par l'autre. Mm-hmm. Ce n'est pas comme ici en Afrique où la RDC vit en vase clos, Congo-Brazzaville fait sa propre politique, mm-hmm. le Sénégal, ainsi de suite. Non. En Europe du Nord, chaque pays dépend de l'autre. Mm-hmm. Donc tout ce qui est bien dans un pays est recopié ailleurs. Mm-hmm. Et aussi, ce que je pourrais aussi dire, c'est que ils ont aussi tablé sur la promotion de la femme. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, mm-hmm. c'est la fête de la femme, le respect des droits de la femme. Mm-hmm. Les Néerlandais, par exemple, ont tablé sur la promotion de la femme à des postes clés. C'était une politique menée par l'ancienne monarque, mm-hmm. La reine Béatrice, mm-hmm. qui s'était assuré à ce que à chaque poste clé du pays soit occupé par une femme. À certains postes clés. Nous avons vu des femmes qui ont fait des politiques très dures là-bas aux Pays-Bas. Mmh. Et quand vous y êtes, à l'époque, quand on y était allé, on s'étonnait même que ce soit des femmes qui fassent cette politique-là, hein, qui gèrent des hommes et. C'est d'une façon assez rigide. Hein. Mm-hmm. Voilà un peu ce que je pourrais dire en attendant. Mm-hmm. Donc, la promotion de la femme et aussi l'éducation des enfants. Ben oui, est-ce que vous avez l'impression que les femmes, c'est leur journée, c'est leur mois, très bien. Que les femmes, vous pensez qu'elles géreraient mieux que les hommes? Oui, personnellement, je pense que oui. Si nous prenons le cas de notre pays, le Congo, mm-hmm. quand quelqu'un devient, par exemple, ministre, la première des choses à faire pour lui, c'est de se taper plusieurs femmes, mm-hmm. de 3-4 femmes, et de faire beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Vous n'allez pas demander à un fonctionnaire qui a 20-30 enfants de rester tranquille, de vivre avec son salaire. Mm-hmm. C'est impossible. Donc, il sera un éternel insatisfait. Mm-hmm. Et pour stopper cela, on doit nécessairement passer par le planning familial. Mm-hmm. Favoriser les femmes, sécuriser la femme dans le foyer et dans le travail, pour que la femme ne soit plus un objet d'achat. Mm-hmm. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Monsieur le sociologue, bon, de par leur nature, ça me surprend. Effectivement, les nordistes sont plus clairs, sont plus blancs, et donc ils rougissent, on constate qu'ils ont rougi plus facilement. Donc, naturellement, effectivement. Comment trouvez-vous l'expérience C'est la première fois que vous entendez ça, d'ailleurs, peut-être. Moi, en tout cas. Oui, oui. Bon.
Moi, j'ai été à Stockholm. Bon, c'est une expérience qu'il a vécue. Je lui conseille cela. Mais vous étiez en voyage, vous n'êtes pas resté longtemps. Bien sûr, j'étais de passage. Vous n'avez pas eu le temps de... De bien observer. Mais de toutes les manières, la corruption, c'est quelque chose qui va avec l'humain. Si on n'y instaure pas une discipline, eh ben, je pense que personne ne peut résister à ça. Même lorsqu'il parle des nordistes, c'est parce que on a su leur imposer une vraie discipline. Tout à fait. Et autre chose, un fait sociologique, c'est que l'homme déjà est un éternel insatisfait. Il n'y a jamais un homme qui soit satisfait de ses conditions. Il veut toujours des conditions plus meilleures que celles dans lesquelles il vit. Alors, il veut pour toujours cela, les conditions meilleures quoi, par rapport à sa vie. C'est vrai. Oui. Hein, l'homme, bon. Mais il oublie que ce que l'on a, c'est la somme de temps et du travail. Plus vous avez travaillé, plus vous pouvez amasser. Mais si vous venez, vous voulez vous comparer au DG Kibambi Shintoa parce qu'il a l'Umerica, vous avez fini à l'IFASIC l'année passée. Vous ne vous rendez pas compte que lui, c'est le fruit de toute une vie. Et vous voulez être comme lui, faire comme lui. Et le moyen viendrait d'où? Ça veut dire, on sera toujours tenté d'emprunter ce chemin-là. Ce raccourci. Ce raccourci. Bien aussi que le raccourci n'est toujours pas mauvais, mais c'est la manière dont on emprunte le raccourci qui compte. Vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui, tout le monde qui est, du moins la majorité de ceux qui vivent à l'intérieur du pays, veulent aller vivre en ville, dans des villes. Ceux qui vivent dans des villes de la RDC veulent venir dans la capitale. Et certains de ceux qui vivent dans la capitale voudraient aller en Europe. Voilà, et c'est un enchaînement comme ça. Et lorsque l'on vient, l'on trouve que M. Kibambi a une propriété, ah mais moi aussi je vais devenir comme lui. Ah, vous ne vous posez pas de questions de ce qu'il a fait et dans combien de temps l'a-t-il fait pour arriver à ce point-là. Vous voulez tout de suite devenir comme lui. Et nous avons vu les gens qui viennent au pouvoir, qui disent, maintenant c'est notre tour. Mais votre tour de quoi? De la destruction. C'est votre tour de travailler. Et ils confondent. Ils pensent que c'est leur tour aussi de jouir. Bon, la jouissance n'est toujours pas mauvaise. Mais... Ça n'est dépend aussi. Mauvaise. C'est ça. Je dis, n'est toujours pas mauvaise. Voilà. Hein, parce qu'il y a une petite différence. Bon, on est en vie, il faut jouir de la vie. Oui, de temps en temps. Oui. Oui. Pourquoi pas. Mais vous jouissiez comment? Vous voulez jouir comment? Moi, je peux avoir 1000 francs. Je dois jouir de mes 1000 francs. Je ne peux pas envier jouir des 50 000 que l'autre a. C'est ça le vrai problème. Je suis d'accord avec lui quand il parle de problèmes culturels. C'est aussi mental. Nous avons dit ici que déjà la corruption, c'est quelque chose, si dans le sens de la pourriture, c'est quelque chose dont on ne peut pas vouloir vivre avec. Puisque qui est-ce qui voudra vivre dans la pourriture? Dans la perversion. Dans la perversion. Non, il faut déjà que nous prenions conscience, puisque tout commence par là, que nous ne pouvons pas vivre dans la pourriture. D'autant plus que
la pourriture n'est pas bonne, eh bien, nous devons regarder la corruption comme cela. Mais cela pourrait arriver comment? Si nous ne faisons rien. Moi, je voudrais vous féliciter des thèmes, de problématiques que vous affichez ou que vous employez pour que le Congolais vienne débattre. Ça sensibilise la société. À défaut de ne pas suivre ça dans nos familles, de ne pas suivre ça dans nos écoles, de ne pas suivre ça dans nos églises et dans d'autres groupes, au moins la télévision peut relayer ce message qui a longtemps manqué pour que ça ne soit pas toujours un problème des Africains ou encore de gens du tiers-monde. Puisque maintenant, on va dire... Conclusion. C'est en Afrique. Mais la corruption n'est pas qu'en Afrique. Il y a un pays africain, Seychelles, qui vient même avant les États-Unis. Ce sont aussi des Africains. En matière de corruption, je pense qu'ils sont à 79%. Alors que les États-Unis sont à 68%. Donc, ils ont un écart considérable. Ce sont des Africains. D'accord. Donc, pour cela, moi, je me dis, si nous pouvons mesurer nos besoins par rapport à nos moyens et nous contenter de ça, vouloir faire mieux, c'est déjà une solution. Oui, je voudrais quand même... Bon, l'exemple qui m'a mis, il est mauvais. Bon, mais quelqu'un qui veut devenir comme Bill Gates, pourquoi pas, le rêve n'est pas interdit, mais ce sont les moyens pour y parvenir qui souvent manquent. Mais rêver d'être le meilleur de nos des citoyens, c'est à encourager au contraire. Mais aussi prendre en compte le temps et l'énergie qu'il faut pour arriver à... Voilà. Monsieur Bonigaba. Oui, je crois qu'on peut... en s'organisant de façon conséquente, réduit les risques de corruption. Voyez-vous, par exemple, dans les pays, même africains ici, lorsque vous êtes arrivés, vous voulez payer cash, tout ça, on dit non, non, ici c'est la banque. Oui. Donc, on organise de telle sorte que il y ait des traces. Oui. Tout est tracé. Un État peut s'imposer la règle de dire tous les paiements de l'État et tous les paiements à l'État se font par les écritures. Donc, pas de cash. Réduire le plus possible les cash. On ne touche pas l'argent, on ne voit pas. Si on s'impose des règles comme ça, eh bien, la tentation dont j'ai parlé ici, quelqu'un qui veut avoir déjà la moitié de votre, ce que vous avez dit, ça devient un peu plus compliqué. Tout à fait. Et vous savez, vous avez raison. Regardez un pays, un coin comme Dubaï. Oui. Les seuls qui n'acceptent pas que vous payez par carte, ce sont les marginaux, les amis, enfin, il ne faut pas tous citer les marginaux, ils aiment le cash. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la traçabilité. Parce qu'ils savent que quand vous payez par carte, eh bien, ils vont perdre un peu et c'est enregistré. Ouais. Moi, j'adhère complètement à ce que vous dites. Continuez. Donc, il y a déjà cette règle-là qui pourrait réduire de façon substantielle les risques de corruption. Mais il y a aussi l'organisation chez nous, des inégalités, les tensions salariales, c'est tout à fait scandaleux. D'un côté, vous avez quelqu'un qui a 21 000 dollars, et de l'autre, il a 100 dollars. Attendez, vous voulez quoi, ce moment-là? Donc, il y a toutes ces choses qui font que l'esprit, donc on a dit l'esprit humain, il est déjà...
Cupide de par lui. Mais il faut créer des conditions pour réduire au strict minimum les sources de ces tentations-là. Tout à fait. Or, chez nous, quand vous prenez quelqu'un qui vient de terminer l'université, il a sa licence, mais il a... D'abord, s'il arrive à trouver un emploi. S'il a un emploi, on lui dit non. Même comme enseignant à la faculté, dit non, mais bon, $200. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Assistant. Vous voyez ? Donc, il y a toutes ces choses qui font que on devient vraiment, on entre dans un système de corruption endémique. Parce que le système est tel que le policier, il regarde, il dit, ben, il faut que je puisse, que les gens, les baboulas, on puisse allumer les baboulas le soir. Alors, là, tous les moyens sont bons pour trouver des infractions là où il n'y en a pas. Mais si on avait fait en sorte que le policier, l'autre là, le militaire et tous les autres... Même ceux qui travaillent chez nous. qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle le SMIG là. Parce que le SMIG, c'est... On a calculé combien il faut à quelqu'un... Pour tenir. Qui est seul et tout ça, pour qu'il puisse tenir, qu'il vive de façon digne. Et qu'on prenne ça comme base, de départ. Qu'on se dise, bon, si c'est ça le minimum, d'abord, il faut donc faire en sorte que le travailleur agricole, lui qui travaille pour lui-même, il faut créer les conditions pour qu'il puisse se dire, tiens, mais moi, je préfère aller au village, faire mes champs. Parce que je vais gagner un peu plus. Mieux, etc. C'est ça, c'est cette organisation-là qu'on cherche, voilà. Mais qui ne vient pas. Une bonne gymnastique. Alors, l'exemple européen, l'homme de l'Europe du Nord. Oui, merci. Comment on s'organise là-bas? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que, bon, leur organisation, moi je vais faire une comparaison avec ce qui se passe ici. Le professeur a dit qu'on devrait, par exemple, donner un SMIC suffisant aux fonctionnaires. Mais là, n'est pas le problème. Parce que quand vous calculez ce SMIG-là, vous tenez compte de quoi? Un fonctionnaire qui a 3-4 femmes, il ne sera jamais content de son salaire. Il n'y a pas de SMIG. Non, mais... Il n'y a pas de SMIG. Non, comment calculer ce SMIG? Voilà un peu comment calculer cela. On ne va pas dire, voilà, on calcule le SMIG de tel fonctionnaire, 3-4 femmes, une vingtaine d'enfants, c'est impossible. Alors, vous proposez. Moi, je reviens toujours à ce qu'ont fait les Européens du Nord. C'est la promotion de la femme, la sécurisation de la femme. Il faut que nos lois puissent sécuriser la femme. Ah oui, pour qu'elle ne puisse pas accepter d'être troisième, quatrième voilà, femme. Voilà, voilà. Mais Rochereau a chanté 2 millions de femmes, enfin, on fait quoi? Il faut passer par là. Très bien. Il faut adopter le bon exemple. Donc, sécuriser la femme et aussi tenir compte de l'éducation, le système éducatif et aussi du rôle de la justice. L'impunité. Il faudrait que la justice fasse son travail. Quand quelqu'un se fait corrompre, il doit être puni. Et qu'on ne peut pas badiner à cela. C'est ce que je pourrais dire. Oui, mais vous savez que vraiment, on a des lois extraordinaires hein, ici. Vous savez que l'époque de Mobutu, quand tu volais $1,000, on devait te tuer. Vous souvenez? On a connu ça. Peine de mort, mais aujourd'hui, ça volait un éclat. De toute façon, même à l'époque, il y a même un premier ministre qui a. enfin, c'est de l'histoire, mais c'est vrai. Que ce que notre ami vient de poser comme problème, calculer le SMIC de quelqu'un qui a 4 femmes, on fait comment? C'est un problème aussi culturel. Hein. Non, mais c'est peut-être parce que justement, il s'est rendu compte que. Qu'il en a trop, qu'il a trop d'argent, qu'il va. Donc, c'est ces inégalités dont je parlais. Oui. Lorsque vous avez dans une société des gens qui ont. Donc, la tension salariale est tout à fait modérée. Ben, si vous vous amusez à prendre 4 femmes... C'est votre problème. Vous êtes en quelque sorte en marge. Vous vous mettez vous-même en marge de la société. Mais vous créez un problème pour l'État. Parce que
qui doit vous gérer. Parce que vous-même, vous êtes créé des besoins. Un statut, des besoins qui vous marginalisent. Et croyez-moi, les gens n'aiment pas être marginalisés. Donc, s'ils se rendent compte que c'est la limite à ne pas dépasser, il va essayer de se discipliner quand même. Donc, il y a une organisation, un seuil, à partir duquel les gens se disent, ici, on ne rigole pas, parce que sinon, lorsque vous sautez de la route, hein, oui. Vous êtes... Mais là où je suis d'accord avec lui, oui. C'est quand il dit, il faut éduquer la femme afin qu'elle ne puisse pas être la proie facile de tous ces messieurs qui ont beaucoup d'argent. Là, je suis complètement d'accord et il tombe sous le sens dans la mesure où nous sommes en train de célébrer la journée des droits de la femme. Alors, le sociologue va se partager. Je pense que maintenant, nous n'avons fait que parler du corrompu. Oui. Nous n'avons pas parlé du corrupteur. Allons-y. Parce que la corruption a deux acteurs. Celui qui corrompt et celui, qui est corrompu. Allons-y. Le problème se situe à ce deux niveaux-là. Si, dans un sens, on dit celui qui sollicite, donc celui-même le corrupteur, le corrompu, qui sollicite d'être corrompu. Et après, on dit celui qui accepte. Ça veut dire, lui n'a rien demandé. On le sollicite, lui. Il accepte. C'est à ce moment-là qu'il y a corruption. Donc, il a parlé de problèmes de justice. Ça aussi. Je souhaite que, dans notre pays, qu'on puisse criminaliser la corruption. Parce que si on prend la corruption comme juste un délit, comme... une contravention, qui sont des infractions mineures, on compare la corruption au vol, par exemple. C'est pas normal. On doit arriver à criminaliser la corruption et à lui donner un caractère imprescriptible. Criminaliser, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui se cache derrière le terme? Ça veut dire... on lui donne un caractère criminel. Donc, la corruption devient comme un assassinat. Comme... Et c'est un assassinat. Mais oui, c'est même plus que ça. Enfin... Il faut qu'on puisse le criminaliser. Quand on va au-delà du crime, on fait quoi? En tout cas, pour que celui qui va corrompre... puisse ne plus jamais... Ne puisse pas essayer. Parce que même si les fonctionnaires sont là et qu'ils attendent la corruption et qu'il n'y a personne qui corrompt, eh bien, ils n'auront toujours rien. C'est quand ils attendent et qu'il y a des gens qui viennent corrompre qu'il y a la corruption. Donc, on prend et le corrompu et le corrupteur... Tous criminels. Justement. Criminels qui doivent être poursuivis même après des années. Parce que maintenant, je ne veux pas citer de gens, il y a des gens qui ont détourné l'argent de la rue. Ok, on a deviné. Oui, bon, ok. Qui vont en prison un moment donné, là, ce n'est pas correct. On doit donner l'occasion à la justice de les rappeler même 50 ans après. Parce que l'on doit quand même arriver à donner des sanctions exemplaires. Il faut arriver à faire peur aux gens pour dissuader, justement. Que les gens ne s'adonnent pas à cette pratique. Sinon, bon, nous allons parler et après, les gens ont des besoins que eux-mêmes se sont fabriqués. Comme mon aîné venait de dire ici, ils se sont marginalisés eux-mêmes. Vous avez des revenus qui peuvent suffire seulement pour votre femme et vos enfants. Vous allez en trouver d'autres. Ça veut dire que c'est vous-même que vous créez des problèmes pour que ça vous expose à la corruption. D'accord.
Et conclusion. Il a parlé du climat salarial. Et de la tension. De la tension salariale. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui quitte chez lui, qui vient travailler chez vous. Vous avez même apostrophé cela pour dire même les gens qui travaillent chez nous. Et ce quelqu'un-là qui vient travailler chez vous, vous n'avez pas de kilo, je vais le dire ainsi, en lui remettant 60 000 francs. Alors que vous, lorsque vous allez à votre bureau, bien sûr, on sait que le chef ne travaille pas, c'est en faisant travailler qui c'est ça son travail, il doit faire marcher les choses. Justement. Mais quand vous allez dans vos bureaux, lui qui reste avec votre maison, il peine plus que vous. Et vous, vous réclamez 21 000 dollars et lui, vous lui donnez 60 000. Non, quelque part... Ça, c'est criminel. C'est criminel. D'accord. Il faudra que nous soyons... logiques avec nous-mêmes. Juste. Donc, justice. Un bon gabarit. Et en plus, de ce que vient de dire notre ami... Jean... Moussenga. Oui. Jean-Patrick. C'est difficile, Jean-Patrick. Jean-Patrick... On croit que combattre la corruption, c'est une mission impossible. Ce n'est pas vrai. Parce que justement, si on veut vraiment combattre, on piège les gens. Et on médiatise ça. Voilà. Donc, on va faire, disons, un faux, tendre un des faux pièges. Corrupteur. Oui. Oui. Un faux corrupteur. Vient et qui vous propose le marché et vous tombez dedans. Mais tout ça est enregistré et tout. Et puis on sort ça devant tout le monde. Voilà, le monsieur a été pris la main dans le sac, etc., etc. Je suis sûr que si on adopte cette méthode-là, il va y avoir de moins en moins de candidats corrupteurs comme des candidats corrompus. Parce que le fait d'être jeté en pâture de la société, que tout le monde sache que tiens, mais notre ami voilà, il a voulu corrompre avec 50 000 dollars, je ne sais pas combien, etc. Ça peut atténuer. Et vous savez qu'en Inde, il y a quelqu'un qui a réussi à travailler aux impôts. Chaque fois qu'on lui donnait de l'argent, il mettait de côté et tout ça. Et puis un jour, il dit, j'arrête de travailler aux impôts, maintenant je fais la politique. Voilà l'argent qu'on m'a donné et voilà les gens qui m'ont donné de l'argent. Il a été élu maire et puis premier ministre par la suite. Voilà en fait des gens, il y a quand même des gens qui peuvent être honnêtes. Ce que vous dites est tout à fait correct. L'homme est un éternel, voilà, et il faut de temps en temps des pièges comme ça. Oui, mon cher ami, oui, Didier. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à ce qu'ils ont dit, vous savez, quand vous piégez les gens, ce que vous disiez, une chose, c'est que la population soit scandalisée, mais quand la population ne l'est pas, vous n'obtenez rien. Ah, elle sera scandalisée, vous oui, pensez. Non, non, c'est, oui, c'est ainsi que je parlais du problème culturel. Les gens se sont habitués à cela. Au point que. Oui, voilà. Ils se scandalisent. Voilà, justement. Donc, c'est. Alors, je reviens toujours à l'éducation aussi. Il faudrait qu'on change le système éducatif. Ah, oui, là. Oui, absolument. Et qu'on fasse jouer la justice son rôle. Ça, c'est essentiel. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, par rapport aux pays occidentaux, je pourrais dire aussi c'est que les pays du Nord vivent en interdépendance. Donc, ils copient ce qui est... bon chez le voisin. Voilà, chez le voisin. Nous devions aussi faire cela. Mais... Nos pays africains. Pas la RDC, par exemple, vivre en vase clos. Vous avez le Congo-Brazzaville, le Sénégal. Chacun a sa propre politique. Ça ne marchera jamais. Oui, peut-être faire comme les pays anciennement colonisés par les Anglais, oui. Qui, d'une manière générale, se développent un peu mieux que, voilà. Que ceux
les copier, mais nous, nous avons quelques voisins colonisés par les Zambiens, les Belges. Vous savez, le Rwanda et le Burundi. Effectivement, quand vous quittez la RDC, vous allez en Zambie, c'est autre chose. Et je crois que de temps en temps, les gens de Lubumbashi copient, par exemple, ne pas monter dans les véhicules. C'est, nous avons copié de la Zambie. Je crois quand même que les Britanniques ont mieux colonisé que nous. N'est-ce pas? La discipline, la discipline dont nous parlons, elle est acquise, pas innée. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous évoluez dans un environnement où vous voyez que là, ici c'est comme ça, je ne sais pas vous adapter à ça. Absolument. Et si vous êtes dans un environnement où c'est un peu dans tous les sens, tout le monde va. Vous allez aussi faire ça. Et est-ce qu'il a dit de bien? Eh bien, un enfant qui est content, l'éducation, un enfant qui est content, alors qu'il sait que les points qu'il a obtenus, c'est parce que son père a corrompu. Comment on peut être... Mais c'est pas possible. Donc le système éducatif est important dans la société. Le nôtre est corrompu. Hein? Corrompu dans le terme, il est pourri. Il est temps de le changer. J'ai peut-être... C'est un mot trop dur que j'ai utilisé? Non, je pense qu'il est à sa place, ce mot. Ah. Vous voyez, par exemple, lorsque l'on parle de l'éducation, oui. Que nous ne puissions pas seulement voir l'école, parce que l'école donne l'instruction. La famille. L'éducation, c'est dans des structures dont la première, c'est la famille. C'est les églises. C'est les écoles, notamment. Mais ce système-là, éducatif, on va le créer comment? Oui, parce que vous parlez de l'église. Oui, mais les églises qui sont dans nos cités, qui ne sont même pas censées savoir que la nuit est faite pour dormir afin que demain, les gens aillent au travail. Oui. Qui chantent toute la nuit. Et quand vous réclamez, ils vous envoient du feu. Mais comment voulez-vous? Et puis ces églises dont les pasteurs sont les seuls qui s'enrichissent, oui. Alors que leurs traducteurs broient du noir. Mais alors, c'est pas possible. Je suis en train de m'accorder avec lui lorsque il dit de responsabiliser la femme. Mmh. Il y a quelque chose que l'on n'a pas beaucoup commenté sur ça. Mmh. La femme, c'est quand même une des personnes qui tient à l'honneur. Je profite pour saluer donner mes hommages aux femmes. Ce sont des personnes qui ont le sens d'honneur. Mmh. La femme peut difficilement être déshonorée. Quand elle est dans les conditions les meilleures. Oui. Ici, il a aussi parlé de la société qui ne réagit pas. Mm-hmm. Mais non, ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a ce que nous appelons en sociologie les sanctions sociales. Mm-hmm. Cette sanction sociale est même supérieure moralement aux sanctions judiciaires. Imaginez-vous. Que l'on puisse médiatiser, comme notre aîné venait de le dire, une action de corruption. Vos enfants sont à la maison. Ils vont à l'école. Ils sont la risée de tout le monde. Justement, leurs amis disent, ah non, mais ce sont les enfants du voleur là qu'on avait montré à la télé. Vos enfants auront vraiment honte d'avoir un et seront fâchés contre vous. Comme ça, c'est une sanction sociale qui existe toujours lorsque il y a des dérapages. Mais il faudra médiatiser. C'est pourquoi je reviens ici. Il faudra faire la publicité de cela. D'une manière ou d'une autre, il faut que, puisque déjà
même la peine doit être publique. Hein? On doit faire la publicité de la peine. On doit montrer aux gens qu'il y a eu... C'est mauvais de faire... Justement. Et cela s'est fait dans nos sociétés d'une manière ou d'une autre. Imaginez-vous une mère qui va quelque part, on l'attrape et tout le monde apprend. C'est une honte et pour elle, et pour ses enfants, et pour son mari, pour ses parents. Je pense, si elle était habituée à faire ça, ce jour-là, elle pourra prendre la décision de dire... Non, trop, c'est trop, je vais arrêter. Je ne ferai plus ça, mais ce sera trop tard parce que peut-être que le mari n'en voudra plus. Mais ça, c'est beaucoup plus pour les corrupteurs et les corrompus. Alors, un petit mot peut-être. Ça, la mission touche vers la fin. Oui. Il était d'accord avec une partie de ce que vous avez dit et pas d'accord avec une autre partie. Bon, de toute façon, ce n'est pas vous qui êtes responsable. Vous parlez d'une société, vous nous racontez ce que vous avez vu. Oui, je reviens à ce qu'il disait. Bon, disons que moi, je pense que quand on fait la publicité d'un acte de corruption, c'est qu'on vise quelque chose, on vise à ce que les gens soient scandalisés. Oui. Mais s'ils ne le sont pas, on n'obtient rien. Mais non, mais ils sont quand même des êtres humains. Oui, mais nous sommes en train de vivre cela. Hein? Il y a eu des procès, ces gens sont sortis, finalement ils se promènent librement en ville et il y en a même qui sont beaucoup plus appréciés encore. Donc ça n'a pratiquement rien changé. Ce qui voudrait dire que je reviens toujours à l'éducation et à la sécurisation de la femme. Hein? Sécuriser le foyer. Je vais prendre l'exemple des Pays-Bas, parce qu'il y a eu même un moment où les gens disaient que les Pays-Bas, c'était un pays de prostituées et tout ça. Mais non, nous avons posé la question à nos professeurs qui nous ont dit que des économistes avaient pensé que pour mieux gérer le planning familial, pour qu'il n'y ait plus de problèmes de grève tout le temps des fonctionnaires, on devait créer ce qu'on appelle des quartiers red light, donc des cités... des quartiers de prostitution, pour que les gens, les fonctionnaires qui ont des besoins sexuels, ne cherchent pas à épouser 2, 3, 4 femmes, qu'ils aillent dans ces quartiers-là, qui sont très bien organisés avec des syndicats, je vous dis des syndicats. Donc bien organisés, tout ça, c'est ce qu'eux, ils ont trouvé comme solution. Et ce qui a fait que le petit salaire suffisait à chaque fonctionnaire. Parce qu'il n'avait pas cette promiscuité au niveau de la famille. C'est ce que je voudrais préciser. Un petit commentaire, M. Bonigaba, pour terminer. On ne me dit pas combien de minutes il reste. Je crois que c'est vrai, notre ami a vécu longtemps à l'extérieur. Mais la médiatisation de la corruption, je continue à croire qu'en attendant qu'on éduque, parce qu'il est absolument important de d'asseoir une vraie justice. Parce que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que nous ne sommes pas encore dans un système où la justice est vraiment... C'est ce qui doit être fait. Si on arrive à mettre en place un système judiciaire suffisamment correct pour que toutes les... Quand vous dites suffisamment, il faut dire complètement. Il faut que la justice soit... C'est quand même une justice d'homme. Oui, c'est pour dire que lorsque on instaure la justice de manière sérieuse, stricte, et que de l'autre côté, on médiatise tous les actes répréhensibles, comme celui-là. Notre ami Moussenga montre que déjà au niveau de la maison chez toi, tu vas peut-être même avoir envie de ne pas rentrer, parce que les enfants vont... Qu'est-ce qu'ils vont te dire quand tu vas arriver? Donc la sanction sociale est tellement forte que lorsqu'on médiatise comme ça, et avec une justice qui... Les peines sont connues, là, il y a des montants où vous êtes fusillé. Tout à fait. Si vous êtes ministre ou je ne sais pas, vous êtes fusillé publiquement.
je crois que quand on fait ça, quand même, ben oui. L'humain reste humain. Hein. C'est dit donc. Il y a la peur de cette sanction suprême. On s'impose ces limites-là. Mm-hmm. Et ça peut être un bon départ pour, pas éradiquer peut-être totalement, mais réduire de façon substantielle la corruption. Parce que chez nous, elle est vraiment mortelle. Et oui, parce qu'on dit que la nation, l'éducation, pardon, et même l'enseignement, c'est les débuts. C'est quand même incroyable que l'on néglige l'enseignant, même pas, peut-être pas au niveau, enfin, l'enseignant du secondaire, celui-là, il est complètement abandonné. Mais alors, c'est la société qui va à Apollo. Quand ce type-là, nous, quand on nous disait, mais il est interdit de mentir, hein, il est interdit. Mais quand celui qui te dit, il est interdit de mentir, va à pied, n'a pas de chaussures et tout ça, vous ne croyez pas ce qu'il dit. D'accord ? Vous venez de le dire. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas tolérer. J'ai appris ici, vous venez de dire, America? Ici oui. Sur ce plateau, oui. Dire que les retraités vous étaient même prêts à sacrifier 60% de l'air dû. Ouais. Pour n'avoir que quelque chose et savoir parce comment. Parce qu'ils avaient trop attendu. Ça aussi, c'est un problème. La concussion. C'est un problème sérieux. Il y a, dans les systèmes de financement de projets et tout ça, ce qu'on appelle opération retour. Mm-hmm. Mais ça tue. Vous avez une structure. Vous demandez un financement ou encore un crédit ou quelque chose, on vous donne et vous devez retourner à celui qui vous a donné un certain pourcentage. Et ils vont même jusqu'à 50%. Et comment voulez-vous que ce projet marche ? Vous prenez ce projet, vous prenez 50%, vous serez obligé d'aller trouver des factures fausses pour justifier, vous allez surfacturer et même lorsqu'il s'agit de rendre un ouvrage, vous serez en train de tronquer les mélanges ou encore les données pour que l'argent que vous avez eu arrive à répondre. À ce moment-là, si ce sont des ponts que vous construisez, si ce sont, comment on appelle chez nous, si ce sont les sauts de moutons que vous construisez, vous vous rendez compte des dégâts Et c'est pourquoi nous devons y aller avec aussi la définition de la pourriture. Parce que ça pourrit. Un enfant qui est né, qui grandit, on ne lui avait jamais dit de ne pas prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais cet enfant, quand il va grandir, c'est tout un problème. Il y a aussi une notion d'individualisme. Mm-hmm. Beaucoup de gens, je regrette d'ailleurs qu'il y en a certains oui. qui sont, même dans les institutions, qui avaient grandi avec ce système. Quand il trouve quelque chose, c'est d'abord pour lui. C'est d'abord pour lui. Oh. Les autres, c'est leur affaire. Il prend et puis il s'en va. Ça, c'est un problème sérieux. Je pense, je suis de cette génération qui a suivi après qu'on disait, lorsque vous allez prendre à manger, pensez aussi aux autres. Mmh. Ne prenez que ce que vous pouvez finir. Avant que l'on commence à partager. Oui, mais à la maison, ça commence à la maison. Mais c'est ça. On vous dit. Déjà à la maison, ouais. Lorsque vous avez ça, vous êtes chef quelque part, vous allez tenir compte des autres. Vous allez dire, maintenant que moi je veux prendre tout, les autres, ils auront quoi ? Voilà. Donc, tout ça commence quelque part. C'est pourquoi je suis d'accord lorsque notre ami parle de l'éducation, mm-hmm. qui est à relativiser avec l'instruction dans les écoles. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais le problème de justice peut aider à résoudre cette affaire
de manière rapide. Parce que la justice élève toujours une nation. De toute façon, nous avons abordé beaucoup de sujets. On essaiera d'y aller mollo-mollo. Mais dans un premier temps, et je remercie mon ami Didier, qui a commencé par, et c'était prévu comme ça, magnifier la femme, suivi par Jean-Patrick. C'est vrai, mesdames, vous avez un rôle important à jouer. Justement, quand on fait cette publicité sur les méfaits de quelqu'un, vous pouvez aider la société à mettre au banc de l'empire la personne qui vole. Parce que la tentation, c'est quoi? Quand on a volé, on va donner à une femme, la Rosambo, on a été parce qu'ils étaient à Mohibi. Quand vous dites ça, mais vous avez travaillé pour la nation. Vous faites ça, on vous fait 5, 6, 6 fois, vous déménagez, vous allez à Lumbashi. On a quoi la flingue à Bouizi ici, à tout à coup la flingue, vous allez à Bouizi. Ah non, mais vous dites, non, je ne vis plus ici. Vous aurez déjà fait beaucoup de choses. Nous attendons de vous beaucoup, beaucoup de choses. Éduquer les enfants, nous éduquer dans le sens. Réprouver les vols, parce que généralement, on vole pour vous faire plaisir et vous vous direz, non, moi, je ne prends pas l'agent de voleur. Merci d'avoir suivi ce numéro. Réfléchissez entre vous à la maison et à la prochaine.